Bon, Franck, j'imagine que tu t'attendais à des débuts un peu meilleurs pour ta première à Angoulême. C'était un match compliqué. Oui, un match très compliqué, on va dire. On a essayé de faire des choses. On a essayé de travailler, comme on l'a toujours fait depuis les matchs de préparation. Bah, hélas, on n'a pas su trouver ce qu'il fallait. On est une nouvelle équipe, il y a plein de nouveaux joueurs, on essaie de se retrouver et on repart dès lundi pour le boulot. Qu'est-ce qui manque selon toi? C'est de la fraîcheur physique, des automatismes avec... Oui, il manque beaucoup de fraîcheur physique, ça c'est sûr aussi, des automatismes. On a besoin de se retrouver, comme j'ai dit, il y a quasi la moitié, plus de la moitié qui sont nouveaux. Moi y compris, donc on essaie de se retrouver un peu plus sur le terrain. Il y a eu une petite révolte en deuxième mi-temps, malheureusement ça n'a pas suffi. Vous étiez revenu dans les matchs amicaux de plusieurs fois au score, ouais. Ça n'a pas été le cas ce soir. Bien sûr, petite révolte. On a vu qu'il y avait de la place en première mi-temps. Une erreur, ça fait partie du football. On a essayé de revenir, comme j'ai dit. On n'a pas su trouver la faille, donc c'est dommage. Est-ce que tu penses qu'il y a un bon potentiel cette année sur ce que tu vois à l'entraînement et sur les matchs amicaux? Franchement, oui. Vous avez vu, on a de très bons joueurs, une très très belle équipe. Et comme j'ai dit, à part la fraîcheur physique et les automatismes, je pense que on va le faire. On a une très belle équipe pour ça. Il va falloir réagir dès le prochain match à Moulins. Ça va pas être simple contre une bonne équipe de N2. Comme j'ai dit, on repart lundi. Le boulot reprend lundi. Si une défaite, c'est passé. On va se focaliser sur le prochain match pour essayer de ramener les 3 points qu'il faudra ramener à tout prix, je pense. Donc, on repart de là.